Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam à tout le monde. Je m'entends là-bas. Ah oui, je t'attends bien. Bien, très bien. Écho, non, avant. Vous nous entendez? Alaykoum salam, alaykoum salam. Pour déjà bien à dire, quand le son s'est encore commencé. C'est chez toi ou c'est chez moi? Non, c'est pas, non, c'est pas chez moi, c'est là-bas. Moi, j'entends un bruit là, un bruit très bizarre. Non, on dirait qu'il y a quelqu'un qui parle là. Oui. Tu t'entends? Ça, c'est ça, on appelle l'écho. Il y a un écho là. Vous entendez là-bas ou pas vous? Bon, c'est bon, c'est bon comme ça. Moi, je t'entends bien. Hein. Oui, on entend. Chimène est là. Comment tu vas la connaître? Tu vois, je m'entends. Enfin, bref, c'est pas grave. Comme eux, ils entendent. Donc, la bienvenue. Mais il y a un écho. Ils disent qu'il y a un écho. Ouais, un écho. Oui, ouais. C'est toi là-bas. Il y a un écho, oui. Chez moi. Hein? Ah, en tout cas, c'est pas chez moi ici. Hein. Non, je ne sais pas. Voilà. Oumou, comment tu vas? Ici, c'est où? Là, je l'entends. C'est bon? Oui, là, ça va. En tout cas, sur moi, ça va. Eux, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui graisse. Finalement, on va jamais s'en sortir. Ok. Bah, aujourd'hui, on va parler de la nuit des thèmes déjà. Ce que c'est et comment faire. On va commencer avant d'appeler le frère sur WhatsApp. Je ne sais pas s'il est prêt ou pas. On va te laisser toi commencer déjà pour ne pas faire attendre les autres. Et là, je dis, ils entendent, ils disent qu'ils entendent quand même. Ok, je commence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Encore bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui nous suivent. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, si nous sommes là, on est là pour parler de Laylat al-Qadr, comme certains l'appellent souvent, que la nuit du destin. Normalement, ça doit commencer, ça débute aujourd'hui. Parce que nous sommes déjà dans. On est en train de sortir du 20e jour. Donc, aujourd'hui, la nuit du 21 commence cette nuit. C'est qu'après tes prières, donc, il faut mettre en tête que tu es dans Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr a une immense importance.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas dit à tel jour sera Laylatul Qadr. Il ne nous a pas dit ça. Mais seulement, il nous a donné quelques indices ou quelques détails pour nous guider et pour qu'on puisse savoir que c'est peut-être c'est tel jour. Mais il n'y a pas un jour précis. Mm-hmm. Bon, il nous a dit Laylatul Qadr est dans les 10 derniers jours du Ramadan. Mm-hmm. C'est que à partir de demain, aujourd'hui, bon, je dirais parce que aujourd'hui, c'est pas la nuit, quand la nuit commence, parce que c'est la nuit qui commence avant la journée. Mm-hmm. Donc, mais avec ça aussi, il nous a dit dans les 10 derniers jours. Mm-hmm. Mais il nous a indiqué aussi que c'est dans les jours impairs, ce qu'on appelle en arabe Al-Ayam al-Fardiya ou Ayam al-Witriya. C'est que dans les jours impairs, c'est-à-dire 21, 23, 25, 27 et 29. Mm-hmm. Il ne s'est pas limité là aussi. Il nous a dit que pour bien remarquer le jour de Laylatul Qadr, que c'est un jour normal. C'est que même s'il y a le soleil, mais le soleil ne sera pas ardent. Mm-hmm. Qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de vent. C'est que le jour là sera calme. Donc okay, c'est un jour ordinaire et normal. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Donc, mais pourquoi il a dit dans les 10 derniers jours? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que le Ramadan, nous connaissons l'importance du Ramadan. Mais Ramadan, on dit que les dix premiers jours du Ramadan, on appelle ça Rahma, c'est la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça. Et les 10 aussi à 20, que ça c'est Maghfira. Maghfira, c'est que tu demandes pardon au bon Dieu, il accepte ton pardon, ta demande, et que les 10 derniers jours, voilà, maintenant il a dit Hada etkoum minanar. C'est que ça, pourquoi il a dit etkoum minanar? Parce qu'il y a les lettres du cadre qui se trouvent dans ces 10 derniers jours. Donc, voilà, c'est que il a dit que et pour Milana, c'est que tu seras sauvé du feu. Mm-hmm. C'est-à-dire voilà celui qui a eu les quatre les lettres au cadre là, parce que les lettres au cadre, on dit Dieu même nous a dit dans le Coran les lettres au cadre le Ramadan entier. Le Ramadan entier, il est très très bon, mais il y a un jour plus important qui est Laylatul Qadr. Et ce jour-là, c'est le même jour que le Coran que nous lisons tous les jours-là, dans nos prières, il est descendu Laylatul Qadr. Donc, il y a une sourate même dans le Coran, Dieu nous a dit, Bismillahirrahmanirrahim, il a nommé. Cette sourate est nommée Laylatul Qadr. C'est que Dieu ne parle que du Coran et l'importance de Laylatul Qadr. C'est là qu'il a dit que Laylatul Qadr khayrun min alf shahrin. Que Laylatul Qadr est plus meilleur que 1000 mois. Il est plus meilleur que plus que 1000 mois. C'est qu'il n'a pas dit que okay, il est équivalent de 1000 mois, mais il a dit que plus important que 1000 mois. Donc, ça veut dire quoi? 1000 mois. On va essayer d'appeler l'autre aussi. D'accord. Pour voir s'il est prêt.
Allô? Vous êtes déjà en direct. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes déjà en direct. Donc, tout le monde vous entend. Rappelez-moi. Je dis, donc, tout le monde vous entend. Hein? Sur Leïla Toukadou. Oui, c'est ça. Oui, on est déjà en direct, je veux dire. Ok. Vous pouvez poser des questions. Oui, oui. L'autre, il est déjà là. Tout le monde est là. Lui, il a déjà un peu parlé. Donc, ça sera à vous. L'importance. L'importance, la définition, pourquoi ce jour et tout, voilà, pour les gens et quoi faire. Donc, c'est ça. Vous m'entendez bien quand même? Oui, oui, moi j'entends très bien. Ok. Vous m'entendez bien, alhamdulillah, le rhum de la Rame. Alhamdulillah, le rhum de la Rame. وصلى الله وسلم على الافضل البريه محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم لا مرد له من احدكم تحيه الاسلام تحيه اهل الجنه كلنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى يتخلى فعل المجال يتخلى فعل فعل الأخير. كل جهدين يتخلى فعل أخير مدى رمضان كل من تكتشف في أبواب لمين تكنا في الليلة القدر. لذي تكتشف في الليلة القدر في الليلة حبيبه مين لمين Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans l'autre sourate Al-Baqarah,
حامل وكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين ونعطي بصور الكرة في تكنيه Donc, c'est ce qu'on appelle globalement la définition de l'œuvre à l'Okata. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire l'œuvre à l'Okata, c'est le 20, l'œuvre à l'Okata, c'est le 21, l'œuvre à l'Okata, c'est le 23, l'œuvre à l'Okata, c'est le 25, c'est le 27, c'est le 28. On dit maintenant le nombre entier. C'est vrai, il y a certains traditions. Mais moi, je ne peux pas l'attribuer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit que si vous regardez très bien nos parents au village, ils utilisaient le 27e jour. 26, 27. On dit le 27. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que le 26, 27, ça veut dire que c'est le jour qu'on appelle l'Aïlat al-Qadr. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a choisi sur cette année, a choisi 27 mois. C'est un compagnon qui est venu demander le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oh le prophète, moi je suis occupé de mon champ, j'ai d'autres travaux à faire. Mais je n'ai pas tous les 10 jours à faire pour prier pendant la nuit. Je ne peux pas venir cette nuit. Donne-moi un jour où je peux venir pendant la nuit. Le prophète dit, il faut prendre le 26-27. Ça ne veut pas dire que le 27, c'est l'un des prophètes. Le prophète, vous savez, il a des problèmes. Chaque musulman, et chaque personne qui vient de demander quelque chose, il l'oriente en fonction de son besoin et de sa capacité d'arriver à ses objectifs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut donner cette nuit. Toi, c'est l'un des prophètes. C'est ma définition, d'après ma compréhension. Mais, je vais vous parler. Il y a certains hadiths qui se trouvent dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, dans les authentiques, Bukhari, Muslim, et d'autres. Je peux dire et affirmer quelque chose. Personne ne sait le jour de l'Aïd al-Qadr. Parce qu'il y a certains personnes qui disent que l'Aïd al-Qadr, ça se trouve sur toute l'année. Tu peux le chercher pendant l'année. Toute l'année. Je savais bien qu'il est très utile. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas l'œil de son cadre. Il a dit, cherchez l'œil de son cadre, les 10 derniers jours, les 10 derniers mois, les 10 jours du dernier mois de Ramadan. Ça veut dire que l'œil de son cadre, vous devez le chercher, c'est pour nous encourager à faire des vies. Oui. Non. C'est vrai. Non. Oui, c'est intéressant. Ça me fait réfléchir. Donc, ça veut dire que si on veut toujours là, on a la foi, on dit bien, on est obligé de faire les 10 jours tout en espérant tomber sur le jour. Justement. Oui, bien sûr. Donc, les gens qui jouent là, juste les 15 jours, ils sont mal barrés. Je dis, les sous-malins qui jouent là, juste le 15e jour, et puis ils arrêtent. Ah, eux là, ils sont mal barrés. Ah, il est très difficile. Parce que celui qui prend, par exemple, il dit que tu peux prier, tu peux gérer les 15 premiers jours et il abandonne le reste. Moi, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas des musulmans. Mais c'est des musulmans qui n'ont pas accompli leur devoir religieux envers leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que le jugement, si je peux me battre tout ce que je peux dire qu'ils n'ont pas atteint d'abord leur réponse. Deuxièmement, si c'est une femme qui est enceinte, qui ne peut pas gérer par rapport à son enfant, ou qui fait l'allaitement par rapport à son enfant, ça veut dire qu'elle ne peut pas partir parce qu'elle a fait ce qu'on appelle un homme. Elle n'est pas obligée de le faire parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui propose de sauver une vie.
Donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas partir. Si elle demande à Allah de se prendre à Ta'ala, les invocations à Allah de se prendre à Ta'ala, ne récompensera pas cette nuit. Ça, c'est un. Deuxièmement, elle quand elle accouche, elle ne peut pas jeûner. Elle ne peut pas prier. Oui. Donc, ça veut dire que même s'il y a des parenthèses sur ce sujet, un jour on fera un débat sur ce sujet. Oh, oui, bien sûr. Mais je peux me référer sur ce texte là où nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous, on nous respecte. Sinon, il y a beaucoup de parenthèses entre nous. On dit qu'une femme qui fait, qui voit le menstru. Voilà, je voulais poser cette question. Oui. Maintenant. Voilà, la question que je veux poser, comme vous êtes arrivé un peu à ce stade-là, dans les 10 jours, la femme qui arrive à avoir ses menstrues dans cet intervalle de 10 jours, c'est-à-dire qu'elle a jeûné jusqu'à aujourd'hui ou demain, elle, par exemple, quelle est sa situation? Si elle arrive à voir, même ma soeur, je peux lui donner entre parenthèses quelque chose. Mais je ne dis pas que c'est ça, mais je peux dire quelque chose. Après, elle a compris. Si une femme arrive à voir ses règles pendant ces 10 derniers jours, elle ne peut pas partir des gens oubliés par Allah ou ses femmes. Mais elle peut demander, elle ne peut pas prier, mais elle peut faire des invocations. Parce que ce n'est pas interdit. Elle peut même toucher le Coran, ce n'est pas interdit. Même si la personne s'en va musulmane, qui dit que nous, la femme, ne touche pas le corps, si elle est en train de se montrer. Donc, ça ne colle pas à la réalité. Parce que le Coran est venu à chaque jour, tu dois lire le Coran. Chaque fois, tu dois ou bien tu as d'autres cas de la tête. Il n'y a pas quelque chose qui peut t'empêcher, si tu es dans l'état d'impurité, mais le menstrue, ne veut pas dire que tu ne touches pas le Coran. D'accord. Tu peux toucher le Coran, même en Arabie Saoudite. Il y a eu certains témoignages, par exemple, elles peuvent mettre les gants. Mais, quand même, moi, je peux dire qu'elles peuvent toucher le Coran pour lire le Coran et faire les invocations. Même si elles ne sont pas. D'accord. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala les invocations. Parce que c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala les donne. C'est des vacances. On ne peut pas partir des noms du paradis de la bénédiction. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne veux pas que les gens se voient. Parce qu'il y a eu des gens qui travaillent maintenant. Et vu que le Coran n'a pas dit que une femme est dans un état menstruel, il y a d'autres femmes qui disent que c'est jeune. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas associé le jeûne à la purification. Donc, là, je ne veux pas rentrer dans les volets, mais si vous vérifiez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous allez faire le jeûne, vous allez vous purifier. Ou bien si Allah vous subhanahu wa ta'ala a utilisé la prière, si vous allez faire la prière, vous allez proprement avant de faire la prière. Donc il y a certaines adorations dans notre religion qui peuvent être purifiées sur le corps. Il y a certaines noms, par exemple le Hajj, qui peut faire ce qu'on appelle, qui peut être purifié très bien, mais avant de commencer le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit qu'il faut être purifié. Pour avoir le jeûne, pour faire le jeûne. Deuxièmement, pour faire al-Juma, il n'est pas obligatoire de se laver pour faire al-Juma. Parce que les hadiths disent qu'il est obligatoire de se laver pendant le jour du vendredi, c'est les hadiths qui ne sont pas, chrétiens dans notre religion. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait éduquer sa femme à Aïcha radiallahu anha. Il dit que quand il quitte au champ, il faut se laver. Quand on dit, là, je dis qu'il faut te purifier d'abord, mais pas dans des grandes ablutions comme nous, on le dit. Mais il faut te purifier normalement comme un être humain qui prend du parfum, après, tu vas à la marche. Mais dis que c'est obligatoire pour être, pour aller faire la Juma, et pas religieux, d'après le texte du Saint-Père de Saint-Père, du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Non. Radika, tu veux rajouter quelque chose ou bien je pose ma question? Non, bon, non, mais d'abord, merci à lui parce qu'il est en train de donner des précisions très, très claires. Et puis, c'est très, très, parce que la question que tu viens de poser là, c'est une bonne question. C'est-à-dire que les femmes qui sont en règle dans
qui seront en règle pendant les 10 derniers jours là, est-ce qu'elles peuvent pas prier, mais elles sont pas interdites, elles sont pas interdites de faire des invocations. Voilà. Et puis il a dit quelque chose aussi qui est exact. Il y a certains parce que quand une femme est en état de règle là, donc elle peut pas gêner. Mais il y a des, le Coran ne parle pas directement de ça. Ça c'est vrai. Mm-hmm. Il a parfaitement raison. Mais c'est les musulmans certains qui disent que non, ok, la règle n'est pas RP reportée, voilà. Comme ça, pour être clair, mais d'autres aussi disent qu'elle peut gêner, voilà, parce que ça ne fait pas partie. Donc, les précisions sont très, très importantes. Donc, merci vraiment, c'est qu'il est en train de faire. Merci. Donc, frère Mahmoud, je ne sais pas si vous entendez l'autre frère de l'autre côté, monsieur Fadida, je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. Oui, je l'entends un peu, oui. Ok, d'accord. Maintenant, moi, avec tout ce que vous avez dit là, vous savez, c'est dans les débats que d'autres débats le sont. Moi, personnellement, je ne sais pas, c'est interdit ou ce n'est pas interdit. Moi, c'est moi qui fais ça. Moi, je ne touche pas le courant quand j'ai mes règles. Moi, ça, c'est moi. Maintenant, comme vous dites que ce n'est pas interdit, moi, je préfère écouter. Parce que même j'ai la place du courant là, quand je fais les vidéos, j'enlève le Coran, je laisse la tablette qui est comme ça là. Je la laisse, la tablette, je la laisse là. Mais le Coran, je déplace. Je ne sais pas, moi, je fais ça. Après, est-ce que c'est normal, est-ce que ce n'est pas normal? Je préfère faire comme ça. Voilà. Mais en appelant tous les jours de toutes les façons, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties dans ça que moi, que j'ignorais. Et je suppose que plusieurs personnes vont regarder là. Ils ignorent. Voilà. Oui, sur cette question, le cheikh, il a raison, mais il y a d'autres aussi qui disent que parce qu'il y a un verset dans Surat Al-Waqa, là où Dieu a dit que « La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilu min rabbil alamin » c'est qu'il parle là, Dieu parle de le Coran, que le Coran ne doit pas être touché que par des gens qui sont propres. Tu vois, donc c'est pourquoi certains disent prendre ça. Mais il y a des éléments qui disent aussi, bon, si tu veux lire le Coran, même si tu n'as pas fait tes ablutions, que tu peux prendre, tu peux. Voilà, si c'est pour lire, que c'est pas. Que c'est pas. Voilà. Peut-être que certaines. Voilà, donc c'est bon, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas. Si tu évites, c'est pas mal. Mais. Quand je dois toucher, je lis pour ma connaissance personnelle, c'est tout, c'est pas en tant que peut-être en religion, puisque c'est en français, c'est comme si je viens prier, quand je dois toucher le courant, je fais comme si je viens prier, même quand je dois lire, quoi. C'est comme ça que moi je fais, voilà. C'est pas normal. Je préfère faire comme ça. Comme le chef l'a dit, mais il donne des précisions. Tu vois, c'est très très important de préciser la chose. Ce qu'il a dit, c'est vrai, certains disent que c'est pas interdit. Certains disent même que si tu n'as pas, tu peux, parce que le courant il est dans une couverture. Donc, comme il est dans une couverture, c'est que tu peux toucher, tu peux lire comme ça. Et d'autres disent encore. Ceux qui disent aussi qu'on ne doit pas toucher, parce qu'ils se réfèrent du verset qui est dans Surat Waqa, là, ce que je viens de citer là. Là, il y a Masuhu et Al-Mutahharun. Certains même disent ce verset-là concerne ceux qui font le rapport sexuel après ça. Donc, qu'ils sont, parce qu'ils sont pas propres. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, ces 10 jours-là, les gens qui veulent arrêter les jeunes, vous n'avez pas intérêt. Ces 10 jours-là, il faut les faire. Et puis, je pense qu'il faut faire beaucoup d'invocations, c'est ça? Il faut beaucoup prier, faire beaucoup d'invocations, demander beaucoup de choses, demander tout ce qu'on veut. C'est comme si ce qui doit arriver dans cette année-là, c'est
c'est dans ces 10 jours-là, qu'on va donner ton programme, c'est-à-dire qu'on détecte le futur du système. Est-ce qu'il m'entend? Vous parlez à moi? Oui. Oui, bien sûr. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité la religion musulmane. Mais c'est nous qui cherchons à compléter la religion musulmane.